ak mbekté ndégé sen téway bu takku ci sinot biñu oté té nu war ko ubité lata may sanni ay kaddu ci lu ci lu ci jëm nu and astu tatan li nu batu yalla yekkal tay mu wara doon sunu leer ak sunu dund li mark musulmi bind mu ngi melni ab journaliste bi def ab reportage di netali naka la borom bi yesu doon doxale suba bengor ci dekk biñu tudd Kafarnaum baña yaxenal dara sobu ci liggey bi ko taxa jog jot ak fe jafé ko gannaaw bañu genné ci bëri bu nanu ñaanu kay ba ci jangu ba mu daldi dem talal ilohom te joglo goro Simon Pierre ci febaram ci ngon sa ñepp ñi febaron ñepp ñi woppon di buxante ngir mu wéral le frères et sœurs la page de l'évangile de Marc que nous avons entendu décrit une journée type de Jésus à Capharnaüm. Une journée bien remplie, à tel point qu'il fallait qu'il se retire à l'aube, et même bien avant l'aube, précise l'évangéliste, comme pour recharger, recharger ses batteries, renouveler son énergie par le face-à-face avec le Père dans le silence de la prière. Bien sûr, Marc, l'évangéliste, veut nous faire sentir la puissance libératrice de Jésus. Il guérissait tout le monde. La puissance libératrice de Jésus et sa compassion pour tous les malades de toutes sortes, physiques, psychiques et même diaboliques. La puissance de Jésus. Frères et sœurs, ayons confiance à la puissance de Jésus. Mais Marc veut aussi souligner ces deux dimensions essentielles de la vie de Jésus, à savoir le lien intime avec Dieu et sa passion pour proclamer l'Évangile. C'est en Dieu que Jésus puise sa puissance. Et c'est l'adhésion à l'Évangile qui constitue l'objectif de sa mission. Les guérisons et les miracles n'en sont que la conséquence. Jésus veut convertir les cœurs, toucher les cœurs. Nous qui sommes là aujourd'hui, avec nos impasses, nos difficultés, nos espérances, nos maux de toutes sortes, nous qui désirons tant l'aide du Seigneur et l'implorons, n'oublions pas qu'il faut d'abord nous ouvrir à sa parole, accueillir sa parole, qui est la source de guérison et de tout bienfait. Par ailleurs, frères et sœurs, Saint-Marc veut que nous imitions le style de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est ceci. Après une journée immergée dans l'activité professionnelle, après le travail harassant, les combats pour la survie, et même dans les multiples tâches de service des autres, des malades, de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, nous ne devons pas oublier de trouver du temps pour Dieu.
Nous ne devons pas oublier de trouver du temps pour Dieu, pour ne pas courir en vain, pour trouver de la motivation, pour donner du sens à nos engagements et à nos obligations, pour Dieu, pour donner du sens à cela. Même dans nos engagements spirituels, lorsque comme prêtres, évêques, religieux, religieuses, nous sommes au service du Christ et de l'Église. Le temps pour Dieu. Jésus était bien au service du Père et pourtant, il a senti la nécessité de revenir à Dieu dans la prière. Il est possible et même nécessaire, frères et sœurs, de se ménager des intervalles dans notre agenda de tous les jours pour la prière. Car le temps appartient à Dieu. Le bienheureux Daniel Brochier disait que prier, c'est de ne jamais éloigner Dieu d'aucun détail de notre vie. Bokay, nanu japp lilé ci léwansi lu tiber bi lé. Deug le yakamti nañu denk Christa suñu jafé jafé suñu choono suñu mebet lola war yakkat ak kuluté ci Christa bi ndégé fégnal na doolé yirmandem niñu ko déggé ci léwansil bi wayé warul yem fof dano wara nangu batam mu doon suñu lèr ak suñu dund. Marc Mousselmi tek ci né dano wara roy ci Christa limu nek kañu yoddi ki joggé ci Yalla doomu Yalla téréwul mu soxla won wét jakarlo ak Yalla ci ñaan ak jaamu. Kon mbokk yi buñu bu kenn ñakal Yalla jot donte sax amulo sa bop jot war nga amal Yalla jot. Xamnañu hibaru Job dans la première lecture. Job ci digu nahar ak metit dem na be xadi salit be fogné dara jaruko ci soufsi dara jaruko ci la xelam wulbatiku mu mujjé laxu ci ngëm ki ak ci ñaan bi. Expérience bu ni mel jombul kenn yene say da ngay jaxlé ni Job musulami su bobo mbokay nanu fateliku Job. Nanu fateliku ndiran mi don buxante ngir jot ci Christa bi ngir jot wër ak mucc limu tekki moy nanu fedali sunu koluté sunu confiance nañu out Christa léwansilu tay dafa bëgg itam dolel sunu yakar ci yermandé ak ci katanu Christa bi. Christa bi don wëral ñepp ñu ko don indil. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile, s'exclame saint Paul. Cette exclamation pour nous introduire dans la célébration d'ouverture de notre synode diocésain avec cette messe. Car il s'agit bien à la fois de jauger la mission de notre Église, évaluer notre mission commune à chacun et à chacune dans cette œuvre d'annoncer l'Évangile, mais aussi de célébrer la foi qui naît de l'annonce de l'Évangile. Dans notre mission de vivre de la foi,
par la sainteté de notre vie et d'en témoigner à travers nos différents engagements personnels et communautaires dans le service. Annoncer, célébrer et servir sont les trois pôles que nous avons choisis pour vivre notre synode. Comment annonçons-nous l'Évangile aujourd'hui? Quelle est la qualité de l'annonce de l'Évangile? Comment célébrons-nous la foi? Et comment en témoignons-nous dans le service du prochain? Yéné l'Évangile, mon temps que l'Église d'Angobi. Bouyéné Amoul, nous menons ça. Té bungem sahul, chofel. Munul lao yene lewansil mo teunk ligeyu jangubi ngir mu sukhal ak sukhalingam ngir itam mu jur te feñ ngam gi jur te feñ ci ay jëf ak ay jiko ngir woné sunu selay ngir woné itam sunu ciofel ci sunu morom tollo nanu jamono bi nga xamné war nañu taxaw war nañ ko ci sank. Nous avons célébré notre jubilé de 50 ans du diocèse tolor nañu jamono bi nga xamné war nañu taxaw gëstu sunu nekkina jangu niki njobotu yalla xayma sunu ngëm xam fan la sunu ngëm tollu nemmeku sunu andando xam yoon wi ñu wara aw bo xamé yoon wi nga xamé juntukaay yi ak pexé pexé yi nga wara gannaayo ngir jëm kanam ci bép fan loolu lañu nam ci synode bi motax ñu amal synode bima oté synode niko ñu bari xamé wala ñepp xamé ab batle bi joggé ci lakku grec synode vient du grec synodos ab batle bi joggé ci lakku grec dugg ci nasaran té mu tekk lilé and di dox lolu moy tekki fu synode and di dox bokk yoon kon nak bokk jëmukaay synode marcher ensemble pas côte à côte ensemble mais dans la main dans la même direction avec solidarité compréhension mutuelle empathie vérité et fraternité mue par la communion dans le Seigneur du fait de notre baptême et de notre appartenance diocésaine. Voilà ce que nous voulons faire à partir d'aujourd'hui. Voilà ce que nous avons dit. Nous avons dit ce que nous avons dit. Bu jitu bi moy nga xam ki ngay andal ci yoon wi comme da ngeen di and il faut nga xam koku kan la nga nangu and ak mom donte sa da ngeen a outé ndegi lolu moy njobotu chrétien nga nangu and ak mom dox ci wetam bayil ko xel ak geut bu sonné nga talal ko loxo bu daano nga yëkëti nonu andando bi du don rek nga taxaw ci sa wetu morom bañ ko faalé lolu du andando chrétien day faalé moromam warul wax né suma yondé ko ci dédé chrétien day faalé moromam ngëm gi ndono la ak alal bi ñepp bok té ciofé lañu bolé
ben yakar ci ben yakar lañuy djublu motam bu kay te dina ci delu ci pèlerinage diocésain bu moro la amna ay farata yi tax bessi note meuna am moy waxtan waxtan bu yaatu sino mom fokk mu am waxtan yaatal geew gi be ku nek xecci be ku nek meuna exprimer meuna wax li nek ci soxol ak ci sa xel ku nek meuna jotali sedo sa ité sa mebet sa yene te kenn dulu ci téré lolu fokk mu am ngir synode bi jur liñuy sentu pas de synode sans liberté et respect des autres de la prise de parole des autres mëna wax sa lu neexul waye fokk mu respecter ki wax parce que lolu mu ngi joggé ci xolam sans pas de synode sans liberté et respect de prise des prises de parole sans inclusion ñepp ci wara bok sans inclusion sans exclure personne sans courage et sens de la foi et de l'édification mutuelle kuy wax na doon wax buy défar édification mutuelle wax bi tabax du wax buy tas kon ku nek warna meuna wax li nek ci bir xolam putul lolu synode amul te ci quartier yi ci mouvement yi fokk nek wax ci service yi fokk nek wax liñu nam ci synode bi moy ñu deglu xel mu selami xam limunu digal te deglu batu yalla xam limunu sante nu deglu wante bo deglu xel mu selami ak batu yalla ñu deglu wante s'écouter mutuellement xam li ku nek halal li ci top moy bat yi ñu bind fa le ci français écoutez écoute bi moy nga deglu xel mu selami ak kaddu yalla xam li mu tek ci sa dundin li ci top moy discerner moy ragné seg xamé liñu amal njariñ discerner ce qui est bon pour moi pour l'église discerner li ci top moy tan te teunk liñu wara def djébal ko mo seigneur ngir mo seigneur teral li ñepp wara top li ñepp wara def te ñepp and ci ak gem ak deggal te ñepp and diko doxal diko top ndege moy li xel mu selami xir inspiré sunu jangu tay ak ëlëk buñu paré ñu évaluer sétat ko ngir ajuster éventuellement ngir yok jëm kanam frères et sœurs ce sont les quatre principales étapes du synode que vous avez ici devant les yeux écouter discerner décider et agir c'est même la méthode de l'action catholique pour ainsi dire des CVAV, des scouts, etc. Nous y reviendrons certainement au pèlerinage diocésain et en toute occasion de rencontre. Mon vœu, mon souhait, c'est ceci, la participation de tous. Chacun a l'occasion de parler. Quand on ne peut pas, c'est trop tard.
la participation de tous, car la mission est celle de tous. Participation, y compris à la prise en charge matérielle et financière du synode, comme nous venons de le faire à l'occasion de mon jubilé. Et je vous en remercie, frères et sœurs, chers religieux, religieuses, chers confrères. J'en suis très fier et satisfait. La mobilisation de tous. Merci de tout cœur. En attendant de le faire lors du pèlerinage, quand nous serons rassemblés en grand nombre. Pour finir, voici une condition essentielle du synode. C'est la prière. C'est la prière. Car il ne s'agit pas d'échanger purement et simplement sur nos idées simplement. Il s'agit de prier l'Esprit Saint qui nous rassemble et qui nous conduit. Prier avec la prière du synode, la prière dédiée, mais aussi avec le chant du synode qui est aussi une prière. Prier pour tous les membres délégués qui participeront au synode en notre nom, parce que tout le monde ne peut pas siéger, mais nous pouvons dire notre pensée là où on doit la dire et être reportée là où elle doit être reportée. Prier pour tous les membres délégués qui participeront en notre nom. Prier surtout pour l'évêque. Frères et sœurs, que Dieu bénisse notre cheminement synodal avec l'intercession de Sainte Anne et de Notre-Dame de Morolan, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.